Birchbox. Voilà, donc c'est la Birchbox du mois de juillet. Comme vous le savez, Birchbox, anciennement Jolibox. Donc c'est la deuxième que je reçois. J'ai reçu celle de juin. Donc celle de juin, en fait, m'avait quand même pas trop mal plu. Je trouvais ça assez sympa, surtout le petit vernis. Moi, j'avais eu le vernis couleur vermante, qui, je trouve, était vraiment quand même sympa. Il y avait des petits produits à tester qui étaient très sympas. Donc, on va voir ensemble ce que contient celle de juillet. Dans la Birchbox, comme d'habitude, vous aviez un petit pochon comme ceci. Voilà, avec le Birchbox derrière. Moi, j'aime bien les garder. Bon, ça peut servir à mettre quelques trucs dedans. Ensuite, comme d'habitude, vous avez dans la boîte le Birchbox Mag. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? Donc, ils détaillent un peu les produits qu'on reçoit dans la box. Un petit magazine, quoi. Et ensuite, donc, vous aviez une petite carte. Donc, l'été feel good. Voilà. Et derrière, donc, vous avez le détail des produits. Alors, le premier produit qu'on a dans la box, c'est un produit qui s'appelle le Beauty Protector de la marque Protect and Dental, je ne sais pas. Bref, c'est ceci. Voilà. Donc, c'est un petit spray rouge, comme ceci. Voilà, avec. Voilà, c'est un spray, hein, comme vous voyez. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'ils en disent? Donc, moins on en fait, mieux on se porte. On adore ce spray multifonction qui démêle, nourrit, protège et laisse un délicieux sillage de barbe à papa dans vos cheveux. Retour en enfance garanti en un chip. Attention, il est tellement bon qu'il peut se faire un peu désirer. Comptez 20 bonnes pressions pour que la pompe s'amorce. D'accord? Donc, oui, effectivement, ça a une odeur très, très, très sucrée. Ça sent très, très bon. Et donc, derrière, ils vous disent un peu en fait toutes les utilisations que vous pouvez en avoir. Donc apparemment, c'est un protecteur de chaleur, un protecteur aussi UV. Donc visiblement, vous pouvez mettre ça avant d'aller à la plage. Donc il rend les cheveux soyeux, il protège la couleur, il amène de la brillance. Il n'est pas gras, donc ça c'est déjà très bien. Il est pour tout type de cheveux et visiblement vous pouvez l'utiliser tous les jours. Voilà. Ensuite, le deuxième produit qu'on a reçu, c'est un produit qui me tentait depuis très longtemps. Ah, excusez-moi, pardon, je vous ai pas dit. C'est un petit contenant, par contre on n'a pas le nombre de millilitres. Et donc c'est un petit format, hein, et le format full size contient 236 millilitres. Et coûte 17 euros. Donc ensuite, oui, je vous disais, le deuxième produit qu'on a reçu dans la box ce mois-ci, c'est un produit de la marque Herboriste. Donc c'est une marque qui coûte très très cher. C'est vrai que c'est une marque que je pense qu'on est nombreux sur YouTube à vouloir tester, mais effectivement, au vu du prix, tout de suite, ça nous coupe, hein. Donc là, on a reçu le Tai Chi Mask. Donc je vous montre la boîte. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est, si vous voulez, un ensemble de deux masques. Donc, vous avez un masque blanc. Alors, donc je vous disais, si je peux le sortir maintenant. La boîte est composée de deux masques. Donc, vous avez un masque noir qui est ici, un masque blanc qui est ici. Donc, le masque noir qui est le Yin purifie la peau. Donc, ils vous disent, ils vous conseillent de laisser poser 5 minutes. Et le masque blanc, lui, apaise. Donc c'est le Yang. Et lui, pareil, posez 5 minutes. Voilà. Et après, donc, ils vous disent, ouh, pardon, ils vous disent que le teint est net, reposé, une vraie séance de relaxation pour votre peau. Donc franchement, super contente de pouvoir tester les produits Herboriste. C'est génial, quoi. C'est génial. Voilà. Donc c'est des formats pareils, c'est des petits formats, hein, de 30 grammes chacun. Et le full size est de 290 grammes et il coûte 49 euros. Donc j'ai juste envie de vous dire que c'est super, quoi. Je veux dire, 30 grammes, on a de quoi faire quand même pour un visage. Donc je trouve ça vraiment génial, quoi. Très bien, Birchbox.
produit de la marque Jelly Pompong. Donc c'est ça. Je vous montre tout de suite. C'est le Fairy Lashes Mascara. Voilà. Donc on va voir à quoi il ressemble, hein. Donc c'est un mascara violet. Voilà. Donc sa contenance, elle est de 8 millilitres. Et donc qu'est-ce qu'ils en disent? Une couche résultat naturel, deux couches volume wow, trois couches, vous avez mis des fossiles. La marque qui met du fun dans vos vanities, apprenez-en plus, page 14, donc dans le mag Birchbox. Mais le paquet sur Ossil sans jamais cartonner. Donc je ne vais pas l'ouvrir par contre parce que j'ai plein d'autres mascaras qui sont entamés. Donc on va éviter d'en ouvrir d'autres, n'est-ce pas? Parce que ça c'est un coup à l'ouvrir, le laisser de côté, utiliser les autres et puis qu'ils sèchent et j'ai pas trop envie. Donc voilà, mais je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai testé. Voilà, ensuite le quatrième produit qu'on a reçu dans la Birchbox ce mois-ci, c'est un produit de Thermalive. Donc c'est un soin après soleil ressourçant. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils en disent? Vous allez adorer faire bronzette, votre peau un peu moins. La solution, ce soin à l'eau thermale de Balaruc-les-Bains qui laisse votre peau douce, soyeuse, veloutée grâce à sa formule riche en aloe vera protecteur. Donc c'est très bien. Donc s'il y a des extraits d'inules, d'aloe vera et de vitamine E, c'est sans parabène. Et c'est un 30 millilitres. Voilà, écoutez, c'est très bien. C'est très bien pour le soleil. Après le soleil, effectivement, de mettre un soin après soleil, c'est très bien. Alors par contre, ils ne disent pas si on peut l'appliquer sur le visage, parce que je vois qu'ils conseillent de l'appliquer sur une peau nettoyée et séchée après une exposition au soleil. Sur l'ensemble du corps, alors bon, est-ce que... Donc il est fermé, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir. Voilà, à tester. Et ensuite, dernier, alors c'est pas vraiment un produit, on va dire que c'est un goodies, c'est dans cette petite pochette avec un petit autocollant B. Et c'est un bracelet. Voilà. Donc c'est un bracelet que Birchbox nous offre en fait par rapport à une association, l'association Joséphine, je crois. Fait cette association, ils nous en disent qu'en fait elle rend la beauté accessible aux femmes les plus démunies et propose durant tout l'été en exclusivité sur le shop Birchbox le bracelet Feel Good, donc c'est celui-là, hein, dont les bénéfices sont reversés à Joséphine. Voilà, donc ils nous expliquent tout ça dans le Birchmag aussi. Voilà, donc c'est des bracelets qui sont vendus par lot de 3 normalement et ils coûtent 6 euros. Donc j'ai oublié de vous dire combien coûtait la crème, n'est-ce pas, et le mascara. Donc le mascara, lui, il coûte 17,50 €, donc on a un full size, hein, et le Thermalive, le full size fait 150 millilitres et il coûte 15,50 €. Voilà. Donc écoutez les filles, c'est terminé pour la Birchbox. Je trouve que ce mois-ci, on a quand même été vachement gâtés, ne serait-ce que pour le masque herboriste et le mascara Jelly Pong Pong. Je trouve que c'est vraiment super bien. Après, moi, ce petit produit-là, qui sent trop trop bon, je vais voir, je vais essayer de le tester cet été. Je pense que ça va être super pour les cheveux. Après, une crème après soleil, ça sert toujours, surtout en cette période de l'année. Et puis le petit bracelet Feel Good, écoutez, je trouve que c'est très mignon, moi j'aime beaucoup les bracelets. Écoutez les filles, on se retrouve le mois prochain pour la Birchbox du mois d'août. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas à ma chaîne, à me suivre sur mon Facebook. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles. Ciao!